Je me demande combien de chiens font des overdoses en mangeant de la drogue dans la rue. Ah, mais c'est vrai, là, c'est quand même un risque pour les animaux. C'est sûr qu'il y en a plein. Ouais? T'as-tu déjà pogné l'histoire du kid de Jude là qui avait bouffé par accident d'ecstasy? Ouais, ouais. Si le kid de Jude là est capable de bouffer de l'ecstasy, d'après moi, il y a une couple de labrador qui ont dû avoir des trips pas mal fuckés. Imagine, tu t'en vas prendre une marche avec ton chien, OK? OK. Puis là, lui, il tombe sur de la drogue dans la rue, il la bouffe. Il vire complètement high. Mais toi, tu te doutes de rien, fait que tu rentres à la maison, tu fais tes affaires, puis lui, là, il s'en va dans sa cachette, il a chaud, il se met à être groovy, puis c'est le chien, c'est sûr qu'il pogne de quoi, là. Tu vois, là? Penses-tu qu'il se passe de quoi dans leur tête, ou... Il y a juste des T-bones qui défilent. Mais non. C'est sûr qu'il se passe rien d'autre que des T-bones dans leur tête. D'autre, t'as-tu déjà vu un chien faire quelque chose de correct intelligent? Jamais. C'est ça que je te dis. Non. Rapporter la balle, c'est rendu overrated. 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 Ah non, ça là, c'est vrai! Bravo! Never again. OK. On fait-tu un concours de maîtrise de soi en attendant que ça embarque? Quel genre? Non! Il y a encore 10. Check. Si tu veux faire des grandes affaires dans la vie puis arriver à quelque chose, sois capable d'endurer les petites affaires désagréables. La vie, c'est pas facile. Il y a plein d'obstacles, il y a des gens qui vont te faire chier. Si t'es pas capable de tolérer les petites affaires gossantes, qu'est-ce que tu vas faire, mettons, quand ton père va mourir? Hein? Faut que tu sois capable de tolérer les petites affaires comme ça. Après ça, tu vas pouvoir survivre aux vrais obstacles. Tu vois? Que là, approche, approche, donne-moi ton nez.
Il sent bon ce lac-là. Je sais. Il sent comme un mélange de vert de terre puis de lune. Sens-tu? C'est exactement ça. Puis il est glacial, mais genre... un bon glacial, là. Tu sais, le genre de glacial bon pour les varices, là. Tu sais, le genre de glacial que... t'es insomniaque pis t'as pas dormi depuis une semaine, là. Tu viens de baigner dans ce lac-là. Pis c'est sûr qu'après, tu vas te coucher pis tu passes out, genre... paf! Quand j'étais petite, avant d'aller se coucher, moi, ma mère, mon père et mon frère, on insulquait. Mon père, il arrivait, il sautait tout de suite dans l'eau. C'était un tough, peu importe, il faisait froid ou chaud, puis moi, je le suivais là, je voulais être comme lui, puis comme, je vous en mets un peu. Mon frère, lui, il restait sur le bout du quai pendant une vingtaine de minutes à nous regarder nager. Puis, à un moment donné, il se décidait à sauter. Il restait 5 secondes dans l'eau, puis il ressortait. Tu vois, genre, là. Mais... ma mère... ma mère, elle faisait le papillon. Le papillon, la nage, le papillon! Ah, oui, oui, oui. Mais... c'est malade. Pas rien. Papillon. Quand tu penses, il doit avoir quoi? Le dixième de la population, peut-être moins que c'est faire du papillon. Moins que ça. Moins que ça. Moi, je pense que quand tu sais nager le papillon, là, t'as touché à quelque chose. Quelque chose de spécial, maintenant. Ouais. Je suis à quelque chose de spécial, c'est quand même un accomplissement respectable. Ouais. Moi, je vais toujours avoir mes clavicules qui vont assurer. Check. C'est vrai. Tabarnak! Des clavicules! Fuck it! Spécial. Boum, les clavicules. Boum, boum. 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 Ah, hey, j'ai pogné une roche. Fais attention. Fais attention. C'est le lac à qui, là. Charlotte. Oh. Oh, ça m'écœure, man! Je vais pas perdre! Je vais t'accompagner, mais je fais un peu. Boum! Boum! Ah!
Non. Quoi? Pour les clavicules. C'est très bon pour les clavicules. C'est pas trop fort. Moi, mon talent spécial, c'est que je suis daltonien. OK. Et ça veut dire que tu manques le ciel en ce moment. C'est pas vous autres, les daltoniens, qui voyez toutes les couleurs fucked up. T'as déjà vu ça, toi? Un coucher de soleil vert. Fait que toi, genre, parler, c'est pas ta passion, finalement. Non, j'aime ça. Hein? Mais juste avec le monde qui zozote. Comme ça, peu importe ce que je dis, c'est sûr que c'est pas moi qui a de l'air dans le cadre. J'avoue. Pour ça, je me tiens avec des filles, là. Fait que toi, le silence, c'est crissement pas ta passion, hein? Bon, ouais, j'aime ça. Si j'ai mon iPhone, c'est chill. Comme ça, je peux avoir l'air de, comme, booker des rendez-vous, gérer mes médias sociaux. C'est juste... Sinon, avec le monde que tu connais pas tant, là, c'est fucking low. C'est quand même mieux que de parler pour rien dire. C'est toi. Asti, qu'il fait beau à soir, bébé! On se créera à Tahiti! Oh my god! Ton shirt, c'est sûr que tu la guettes aux Zara, hein? Fucking bon. Maîtriser la base. Toujours. OK? Bye. Bye.